Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Toho. On avait commencé l'aventure avec cette mystérieuse créature encapuchonnée qui avait détruit le moteur sacré. Et on était à la recherche de Joncle, donc on a trouvé, mais il nous a oubliés. Et on est censé tout simplement lui permettre de retrouver la mémoire. Donc pour rappel, on était ici, on venait de réparer le miroir. Visiblement, il va y avoir quelque chose à faire avec ce miroir. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Ok, on peut faire un bras de fer avec le miroir, mais on n'est pas assez fort. Donc on voit qu'il y a trois symboles au-dessus de ce miroir. Un symbole de muscle, un symbole de livre et un gant. On a le livre. Ok, si j'active le livre, ça active ça. J'imagine qu'il faut activer les trois pour y arriver. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a dans ce qui semble un régulateur de pression. On va peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors si je fais ça, ok, si je fais ça, ça active ça, donc ça active les muscles. On voit que le livre s'est désactivé, donc c'est du temps limité. Il nous manque la main, sachant qu'il y a aussi ces petites choses là qu'on n'a pas exploité. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas exploité d'autre? Ici, on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer. On va se retransformer en la petite fille pour pouvoir passer. Essayer de voir comment on peut récupérer ce gant. Donc ici, il y a l'oiseau qu'on n'a pas exploité. Je sais pas si on peut faire quelque chose. Il y a cette salle là dans laquelle on a strictement rien fait. Il doit y avoir quelque chose à faire pour débloquer son contenu. Ici, c'est pareil, on a le placard dans lequel on peut bouger les tiroirs. C'est pas vraiment des tiroirs, c'est des portes coulissantes. Et pour l'instant, on l'a pas exploité non plus. Et là, du coup, c'est le bonhomme qui nous dit qu'il faut faire quelque chose avec notre image. Donc moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est aller par là. Voilà, et mémoriser ça. Donc sur le premier, on en a deux d'ouverts. Sur le deuxième, on en a pas d'ouverts. Et sur le troisième, on en a qu'un d'ouvert. Et on va tout simplement... Oh si si, tu vas tomber s'il te plaît. S'il te plaît. Ce sera plus simple. Voilà. Si je me trompe pas, la bibliothèque est là. Donc sur le premier, il y en avait deux d'ouverts. Il y en avait un d'ouvert. Ici. Ok, donc c'est effectivement ça. On voit qu'il y a tout simplement le gant qu'on va aller récupérer. Ok. On peut pas tout simplement récupérer ce gant comme ça. Et visiblement, on peut cliquer sur cette petite souris. Ok, qui a l'air de distraire tout simplement. Donc on va essayer de se faufiler. Ok. Il faut vraiment trouver le bon timing. Allez, petite souris.
Ça a l'air pas mal. Ok, on a un grappin. Parfait, on a récupéré le gant. Donc, normalement, on va pouvoir activer Cubus avec ses trois pouvoirs. Donc on se transforme en Cubus. On fait ça parce qu'il est juste à côté. On lui rajoute le gant. Et on lui rajoute le livre. Et on réessaye le bras de fer. Ok, donc l'autre Cubus nous a donné... Alors c'est quoi exactement qu'il nous a donné? Ok, ça ressemble à l'œil qu'on doit apporter. Donc la seule chose qu'on n'a pas exploitée ici, c'est ça. On voit que quand on clique dessus, peu importe lequel, il saute et il chante une mélodie à un certain rythme, enfin, dans un certain ordre plutôt. Donc, le orange, le vert, puis l'orange et le rose. Mais j'ai rien vu qui pouvait nous aider par ici. Ah zut, Cubus va pas pouvoir passer. Donc, il y a cette créature-là à qui il faut qu'on donne son œil. Est-ce que je peux lui donner comme ça? Nickel. Donc ça, c'est parfait. Ce que je vois, c'est que... il y a exactement les mêmes couleurs que les petites créatures qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on a dit orange. Verte. Re-orange et rose. Ok, il les bouffe et il nous rend un truc. Cool. Sachant que l'objectif c'est de prendre l'ascenseur pour monter à l'étage pour trouver. La photo de la fille et Joncle. Monter à l'étage. Visiblement, ça doit être par ici. On a cette main là aussi qu'on ne sait pas à quoi elle sert. Est-ce qu'on peut essayer de lui donner ce qu'on vient d'avoir? Ok, ça, elle est là en fait. Et du coup, effectivement, ça a l'air d'avoir activé un ascenseur. Ok, on marche la tête en bas. Je sais pas comment dire. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup ici? On a toujours Joncle. On a ça. Pas l'air très efficace et on a une petite porte. Ok, la fillette peut sauter et grimper. Choisis la fillette puis clique à un endroit que Cubus ne peut pas atteindre. Donc on nous dit de grimper. Hmm.
Ok. Non. C'était tentant, mais visiblement, elle ne peut pas toucher à ça. Alors, il y a un gros interrupteur. Quoi tu sers, mon gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à allumer des piopiotes. Des petites loupiotes. Ok. On voit que le circuit est ouvert. Et ça ressemble un peu à un pot de fleurs. Ok, ici. Est-ce que je peux y aller? Je peux y aller. Qu'est-ce que je peux faire? Par aller dans le noir. On ne peut pas toucher à ce pot de fleurs. Est-ce qu'on peut toucher à ça? Visiblement oui. Donc on l'a mis le jerrycan dans notre sac. Ok, ça n'avance pas grand chose. Et par là, il y a quoi? Je peux voir. Je peux pas voir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si on veut aller dans le noir? Genre, ouais. Ok, elle a peur du noir. Ah, tiens, il y a un truc là. Dans ma collection. Il s'agrandit doucement. Là, comme ça, je vois pas trop. Il nous faut quelque chose pour récupérer la plante. Est-ce qu'on aurait pas loupé quelque chose? Ou est-ce que notre jerrycan ne pourrait pas servir? Genre, est-ce que si je mets mon jerrycan là? Ah, c'est flippant ce marché à l'envers. Ah oui, tout de suite il marche mieux. Et on manque de se faire péter la tronche. Mais par contre, une paire de ciseaux, une petite tenaille, ça va être plus intéressant. Du coup. Qu'elle voulait pas y toucher avec les mains, est-ce qu'elle voudra bien y toucher avec la paire de tenailles? Donc pas à la main. Et avec la tenaille. Avec la tenaille, ça veut bien. Donc on la fait redescendre. Et on l'a fait remonter. Alors, veux-tu bien venir par ici? Ok, parfait. Mais visiblement, ça suffit pas. Donc, j'aurais pu le faire en fait, vu que c'est pas forcément elle qui l'actionne. Ok. Donc on voit la créature bien flippante. Ok, donc je peux grimper et je peux récupérer la photo. Fiche-moi le camp, sale voleur!
Je ne suis pas un voleur, j'oncle. Regarde la photo, c'est moi, la fillette. Ah ah, je me rappelle maintenant. Quelle joie de te voir, tu m'as tellement manqué. Tu as une clé à molette, mais tu as aussi besoin d'un marteau. Le négociant en possède un. Va vite le voir sur ses terres et demande-lui s'il veut bien te le donner. Ok. Après avoir obtenu les informations vitales auprès de Joncle, la fillette se rend chez le négociant pour obtenir le marteau. Donc on change de planète. Ok, donc la dame veut une pastèque. Et visiblement, elle se fait bien arnaquer. Ça a pas l'air d'être une vraie pastèque. Mais par contre, on a vu, il a mis un marteau dans son coffre. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choper un pot. Ok. On peut s'amuser avec la sonnette qui a l'air de... d'exciter un peu cette créature. Il y a des petites créatures pour notre collection, et d'autres créatures qui ont l'air de servir un peu à rien. Ok. On a le négociant, tout de suite aller lui parler. Mon moteur sacré est en panne et je dois le réparer. Joncle a dit que tu avais un marteau. J'ai bien un marteau, ma petite, mais je vais pas le donner comme ça. Ok, il veut pas nous donner son marteau. Est-ce qu'on peut lui piquer? On peut pas lui piquer ses clés. On va essayer de voir s'il y a un timing. Bah visiblement, on a réussi à piquer ses clés. C'est plutôt cool. Et puis il y a ça, on n'a pas du tout regardé. On peut toujours interagir avec, ok, ça fait tomber les objets. On l'a pété, mais on a récupéré. Je ne sais pas trop quoi. Ah, genre je peux... Non, je peux pas le mettre. Par contre, moi ce que je vois, c'est clé et serrure. On peut peut-être faire ça. Libérer l'espèce de chien, même si c'est pas vraiment un chien. Et on a vu qu'il aimait pas... le klaxon. Ok, donc ça fait fuir le marchand. On le voit en arrière-plan. On va en profiter.
pour aller examiner ce coffre. Il faut que je trouve un moyen d'ouvrir ce coffre-fort. On dirait que 3 tickets feront l'affaire. 3 tickets. Certes, on va aller à droite. On va essayer de trouver les tickets. Ok, là il y a un ticket qui se fait mâchouiller. Il y a. Je sais pas trop ce que c'est. Taupe. Ça me perturbe cette vision toute. Bizarre, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je t'entends le pic tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Ok, une créature avec une. C'est quoi ça? Ok, après la créature avec la paille, la créature chelou, je peux faire des choses avec ça. Je peux venir à un endroit. Ok, oh pinaise, oh pinaise. Ça va. Yeah. Un chemin par là. Il me perturbe ce chemin tout chelou. Il n'y a pas grand chose avec lequel je peux interagir juste comme ça. On va parler au monsieur. Le théâtre est fermé, ouais. T'as pas entendu la nouvelle? Un méchant pas beau qui fait très peur. Oh, non. Du coup, j'imagine que je peux pas y aller. Et si je me déguise en méchant pas beau? Non. On peut aller par là. Ça nous ramène là d'où on vient, j'imagine. Ouais. Et aller par là. Ça nous emmène là, ok. Qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Ah, je vais peut-être pouvoir interagir avec des objets que je ne peux pas attraper. Ok. Oups. Ok. Mais ça me sert à quoi? Cubus pour ça. Ça te fait penser à l'énigme qu'on a déjà eu ou. Faisait sortir là. Ouais. On va aller chercher ça. On va aller chercher le vase et on va voir si on peut, à tout hasard. Attraper notre ami la créature. J'espère qu'il fallait juste pas casser ça dedans parce que sinon on va voir dans l'eau. Je vois que je peux le mettre là-bas. Ah! Ok, ici ça nous l'a rempli. Intéressant. Et comment je fais pour aller là-bas, moi? Ok, elle est tombée dedans. On va essayer de retourner
par là. J'en ai perdu mon sens de l'orientation. On venait de là. Je vois pas la main. Voilà, flèche plutôt pour vous faire aller par là. Ah, peut-être qu'il faut que je le pose. Genre, je le pose là. Et ensuite, je peux me déplacer. Donc, j'arrive là. On a dit par ici. Voilà, et je peux peut-être du coup le prendre là et le mettre là. Mais je vois juste pas l'intérêt. Est-ce qu'on peut faire croire que c'est un vilain pas beau? Oh pinaise. Oh pinaise. Ok. Et en plus, ça nous a ouvert le théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce théâtre? Je repassais avec la fillette, on va quand même un peu plus vite. Il y a un sac. Forcément, il y a un sac qui est trop lourd. Tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. J'ai vu une étoile filante. Après quoi, il est arrivé quelque chose d'étrange à Jonque. Heureusement que tu as échappé à ces changements, petite. Ok, bon, j'imagine qu'on va faire tomber les trois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, pinaise. Un Picasso chelou, pas Picasso. Oui, certes, mais je fais quoi maintenant? J'ai l'air con, moi. Je peux changer le décor. Ok, ça me permet pas d'accéder à mon... Qu'est-ce que je peux faire? On va explorer, hein, pour découvrir ce qu'on peut faire. On peut se mettre dans le public. Non, ça leur fait pas peur des flammes avec un dragon? Qu'est-ce que je peux faire? Comète avec des... Il me reste quoi? L'arc-en-ciel, la pluie, petite fleur. Ok, ça fait monter le ticket. Et on peut rien faire de plus. Donc on a un deuxième ticket. Juste donc essayer de ressortir de cette chose-là, parce que
c'est quand même un sacré labyrinthe. Ah oui, en fait, il y en a une. Tout là et une là. C'est celle-ci la sortie? C'est celle-là la sortie. Eh bien, on va s'arrêter là pour l'instant. On va essayer de trouver notre dernier ticket pour y arriver. Sachant qu'il faudra sans doute re-effrayer le négociant avec l'espèce de chien tenaille. Mais en tout cas, on est pas mal. On est sur la bonne voie. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.